Bienvenue sur la chaîne. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la liker ou à vous abonner. On se retrouve aujourd'hui dans Forza Horizon 5 pour tester le nouveau circuit qui a été rajouté avec la mise à jour. Vous avez ici le Festival Horizon Mexico. Si vous allez là-bas au stade, il y a une nouvelle course de rue, circuit Horizon Oval, et c'est parti. On participe à l'épreuve, on fait du solo, on prend le circuit Horizon Oval, on va prendre une voiture. Alors, qu'est-ce que je vais prendre comme voiture? J'ai choisi la Chevrolet Corvette Stingray Coupé de 2020 en S1 900. Je vais mettre les paramètres en touriste pour faire un tour tranquille. Et c'est parti pour la découverte de ce nouveau circuit. C'est bien un ovale, en même temps c'est son nom. Il faut faire 5 tours. Bon, ils se sont pas foulés hein, pour faire le circuit, ils ont juste fait un bête ovale. Ça a pas dû prendre beaucoup de temps. Ah, vous allez dire que je râle, hein, mais bon, voilà quoi. Un mini-circuit. Ça casse pas une patte à un canard, comme qui dirait. Bon, ben ça change, ok, c'est bien. Ah, les petits avions qui passent au-dessus, bah, c'est bien, c'est chouette. Et voilà, on est en train de terminer la course déjà. Un petit coup de polish, réaliser 5 prouesses de pilotage sur le circuit ovale, je crois, ou je sais pas quoi. J'ai pas eu le temps de lire. Et voilà pour le circuit ovale. Et voilà, on a gagné la distinction, le grand gagnant. Maintenant, il faut encore un tour bien réglé, remporter une course sur le circuit Horizon Oval au volant d'une super compacte améliorée à la classe S1 pour encore faire 100 points. Vous retrouverez aussi la course dans Rivo. Si vous allez dans Rivo, Rivo d'Horizon, vous prenez les courses sur route et tout au fond, vous trouverez le nouveau circuit qui est le circuit Oval qui se trouve ici, là-bas, voilà. Il fait 1 km. Dans un monde en perpétuel changement, vous trouverez aussi toute une série de choses à faire sur la piste ovale, une ellipse du cœur, visiter la piste ovale du stade en mode balade libre, le carrousel, le cirque des prouesses, etc., etc., etc. Donc n'oubliez pas de faire ici le monde en perpétuel changement. Vous avez aussi des choses au niveau de ce circuit. D'ailleurs, voilà, moi j'ai récupéré un klaxon. Alors, qu'est-ce qui rapporte le plus de points? C'est chaque fois 100 points, je pense. Il n'y a pas un truc qui rapporte beaucoup, beaucoup, beaucoup. Réaliser 3 prouesses de vitesse géniales sur le circuit Horizon Oval. Remporter une course sur le circuit Oval au volant d'une super compacte améliorée à la classe S1. Réaliser 3 prouesses de catapulte sur le circuit Oval. Réaliser 5 combos de passage triple sur le circuit Oval, etc., etc., etc. Et bien voilà, c'était tout pour cette vidéo consacrée à la piste ovale. Je vous dis merci et à bientôt pour d'autres vidéos sur Forza Horizon 5. Cette vidéo s'achève ici. Je vous dis merci et à bientôt sur la chaîne.